Yo les gens, ici Rafi76250, on se retrouve pour le 53e épisode sur la GT League de Gran Turismo Sport. C'est parti, donc on se retrouve pour une nouvelle catégorie de véhicules, donc ce sera rencontre J-Sport. Donc J-Sport, mythique, voilà, c'est un mythique spécial avec des voitures bien spéciales. Donc pareil, on va faire deux courses par vidéo et la dernière sera en solo, donc la dernière course sera toute seule. Donc c'est parti, on va faire ces deux courses donc, sur le autodrome de Logo Majeur Quest et on va faire Suzuka Circuit. Donc j'ai déjà prédéfini quelle voiture j'allais prendre. Je vais prendre celle-là, la Supra RZ 97 avec le livret de Fast and Furious. Fast and Furious, la même voiture qu'il avait Brian dans. Alors je pense que c'est dans Fast and Furious 1, mais je suis pas sûr. Qu'il ait la Supra, je crois que c'est dans le premier. Donc par contre, la voiture, faut que je l'équipe, faut que je l'améliore jusqu'à 400 chevaux. Pour améliorer cette caisse qui a 400 chevaux. Donc en fait, ce que je vais faire à chaque vidéo, je vais changer de véhicule, comme ça vous n'aurez pas le même véhicule à chaque fois. Vous voyez, la voiture, je peux l'améliorer. Elle n'est pas du tout améliorée. Par contre, je vais la mettre à 400 chevaux. Ce maxi, c'est 400 chevaux qu'on peut. On peut pas mettre plus, voilà. Si je mets plus, bah, je suis dans le mal. Donc au niveau des pneus, on peut mettre sport tendre, donc nickel, c'est bien. Et c'est parti pour la première course sur le circuit de Lago Majeur, c'est parti. Donc je vais vous montrer le petit skin, donc là vous n'allez pas trop le voir, mais le livret de Fast and Furious quoi. J'ai téléchargé une personne qui l'avait fait quoi. Normalement je crois que devant il n'y avait rien devant. Ah oui, il y avait quand même quelques trucs devant. C'est plus sur le côté qu'on voit mieux que. En plus c'est une bonne caisse cette voiture-là, j'aime bien ouais. Toyota Supra, j'ai toujours aimé. Elle a l'air de se conduire bien quand même comme caisse. On a la même devant nous là. Donc on va essayer de. Donc cette vidéo elle va arriver, moi je sais pas, peut-être la semaine prochaine. Parce que j'ai encore 4 vidéos à vous publier. Encore, donc celle-là arrivera. Début de semaine prochaine ou soit milieu de semaine parce que bah comme vous savez je pars en week-end donc il n'y aura pas de vidéo ce week-end. À part la vidéo de Objectif quotidien du dimanche, ça va y être. Je vous la ferai mais par contre ça sera publié vers 20h quoi. 20h, 21h parce que bah si on part chez mon beau-frère à 15h, ça le fera arriver à 18h chez moi quoi. Voilà. Donc j'arrête de parler de mon week-end et je vous laisse apprécier la course. Franchement, la couleur, elle est belle, la couleur. Ah, il y a quelqu'un qui a aimé une activité que j'ai publiée. Donc la vue intérieure, elle est comment la vue intérieure pour voir? Ouais, elle est sympa, hein. Elle est sympa comme voiture. Ouais, putain, moi j'arrive pas le circuit. C'est vachement bien. Elle est sympa, hein. On a 5 tours, c'est pour ça que je fais des vidéos de 2 courses parce que 5 tours à chaque fois c'est long à effectuer à chaque fois. Puis vous voyez, j'ai fait à peu près un tour en 1 minute et quelques, donc c'est pour ça c'est assez long. Hein. Donc sinon, je pourrais vous parler des prochains projets que j'ai sur ma chaîne. Donc il y aura des vidéos de. Bah, de toute façon. Cours en juin, ce sera pas tout de suite. Donc vers le 21 juin, vous aurez des vidéos. Vous aurez sur la vidéo découverte de Crash Bandicoot, Fuel, Nitro, là, le nouveau qui vont sortir là. Le nouveau Crash Team Racing, mais PS4. Et à partir du. Alors je sais pas quand il sort, je trouve que c'est 28 juin. Mais apparemment, peut-être dans les micro-maillons, on pourra peut-être l'avoir avant, c'est fin 2019. Donc je sais pas si je vous ferai la carrière entière. Ou soit je vous ferai vraiment peut-être que. Si je fais une carrière de mon côté, je ferai peut-être que les courses historiques. Et pourquoi pas, là, j'ai pensé à un truc. Pourquoi pas, si on a des voitures historiques, style les anciennes voitures, tout ça. Pourquoi pas vous faire des voitures, des courses d'essai, comme vous faites sur Gran Turismo. Vous voyez, quand je vous fais des. Je prends une voiture et j'essaie de faire le meilleur tour. Et puis, bah, après, on voit quelle voiture est. On teste chaque voiture et on voit quelle voiture va faire quel chrono, quoi. Voilà.
Bon, peut-être que je ferai ça, peut-être, je vais voir. Peut-être que j'essaie de vous faire ça. Sur tout ce qui est voiture historique, parce que je sais qu'ils prévoient de mettre des voitures historiques, donc je sais que si on prend la précommande de. Si on prend le jeu, l'édition anniversaire, oui, donc on aura la Ferrari et la. Et la McLaren de 2010. Voilà. Donc je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Hein. Je pense qu'il va y avoir peut-être toutes les. Apparemment, ils vont rajouter toutes les historiques qu'il y avait dans les anciens. Donc du moment qu'ils ont commencé, alors je sais pas c'est quel, je crois que c'est de 2016, je crois, qu'ils ont commencé à nous intégrer les voitures historiques. Donc je pense qu'ils vont mettre tous les véhicules qui étaient dans les F1 2016, 2017, 2018. Et encore, ce que j'ai entendu apparemment, sur PC, la version PC serait une version au niveau place, elle prendrait 90 gigas. Ça fait beaucoup 90 gigas. Je trouve, pour un jeu. Ça va, il reste 3, 2 tours, ça va, on est bien. Donc après, ce prochain circuit, c'est le circuit que j'adore. Suzuka, franchement, c'est un de mes circuits préférés dans Gran Turismo. Et que ça soit même dans les jeux de Formule 1, parce qu'il y est aussi dans Formule 1. J'adore ce circuit. Je vais regarder après la prochaine course. Si à chaque fois le numéro qu'on nous a attribué, si c'est un numéro aléatoire ou c'est tout le temps le numéro. Là c'est le numéro 2 que j'ai. Donc voilà, ça fera à peu près, on va dire, 8 minutes la course. Donc on va faire à peu près une vidéo de, on va dire, 16 à 20 minutes quoi. Donc pour l'instant j'ai pas eu de retour, mais franchement moi je suis un peu déçu, je sais pas si vous avez vu les jeux Passion Store du mois de mai, franchement ils sont dégueulasses les jeux. À part j'ai vu sur, alors c'est sur Passion Store japonais hein, par contre, après je sais pas si nous en France on peut les avoir, apparemment il y aurait Metal Gear Survive et un autre jeu, alors je sais plus c'est quoi, mais c'est un jeu qui est bien. Hein. Donc je suis un peu écœuré quand même, pourquoi de donner des jeux pourris à chaque fois quoi. Après moi je dis, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent ouais mais vous croyez que vous allez avoir un jeu, les gens ils croient qu'ils vont avoir un jeu à 70 balles, mais c'est pas ça qu'on demande nous, et pourquoi pas nous donner un jeu qui a 2 ans on va dire, vous voyez, par exemple style je sais pas Injustice 2 ou pourquoi pas je sais pas, je dis au hasard Watch Dogs 2, vous voyez, des jeux qui comptent 2 ans, 2-3 ans quoi. Je sais pas, mais ils peuvent pas faire un effort Sony de ce côté-là. Putain, c'est déjà assez cher l'abonnement. C'est à 60 balles l'abonnement maintenant. Bah moi ça va l'abonnement PSN, à chaque fois j'arrive à trouver des assez bonnes affaires. Le mien, c'est l'année dernière, je l'ai repris au mois de décembre. Je l'ai payé 49 je crois l'abonnement à l'année. Donc ça va encore. Hein. Je trouve ça quand même dégueulasse quoi, franchement on paye un abonnement et il nous donne du jeu pas pourri quoi. Il y avait une année, je sais plus c'est quelle, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans je crois, ils nous avaient donné une justice, les dieux sont parmi nous quoi. Et là quand ils ont donné cela, mais j'étais super content parce que le jeu je l'avais acheté et là c'était la version avec tous les personnages ajoutés en DLC ensuite quoi. Là, il nous donnerait franchement une Justice 2 avec tous les DLC. Ah, je serais content, franchement. En plus, le Justice 2, j'ai bien aimé ce jeu-là. Et après, j'ai pas eu les DLC. Il y avait Tortue Ninja, ils ont rajouté... Qu'est-ce qu'ils ont rajouté encore comme personnage? Ils ont rajouté pas mal de personnages. Il y avait Sub-Zero, je crois, aussi. Ou Scorpion. Je sais plus, il y avait un personnage de Mortal Kombat dedans. Je pense que Mortal Kombat, j'essaierai de me le prendre, mais d'occasion. Ou soit s'ils sortent une version plus tard, peut-être dans 6 mois, 1 an, avec tous les DLC, je pense que là, je me prendrai le jeu. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Du moment qu'ils sortent un jeu avec plein de DLC, c'est tout le temps mieux de vous les prendre au dernier moment. Parce que là, c'est mieux quoi.
Vous voyez, c'est à peu près ça, hein. On va mettre à peu près 9 minutes pour cette vidéo, et puis l'autre 9 et 9, bah, 9 minutes aussi, ça fera 18 minutes quoi, à peu près. Ah oui, tiens, pendant que j'y pense, tiens, je vais vous montrer vite fait si on peut voir le véhicule. Aïe, putain, j'ai mal au cou. Si on peut voir mieux le véhicule. Ah, j'ai gagné combien du coup? 45 600. Donc, nickel. Donc je vais vous montrer vite fait ça, si je peux vous montrer. Hop. La rediffusion, c'est juste pour vous montrer le skin du véhicule. Hein. Vous voyez, ça vous allez bien voir là. Vous voyez, elle est vraiment bien faite, je trouve, la voiture. Le skin est bien fait, je trouve. La personne qui l'a fait, il l'a bien fait quoi. Voilà, c'est juste pour vous montrer le côté quoi. Donc on va passer sur la seconde course. Hop. Donc on va prendre ce circuit là. Donc on va prendre la même voiture. Hein. On changera plus tard. Hein. Et je crois même que j'ai la... celle de Fast and Furious 2, je crois aussi. J'ai celle de. Bah, j'ai la Skyline, la R. Avec le skin de Fast and Furious aussi, également, je crois. Si je me trompe pas. Par contre, la Starcus, ça va être assez long parce que c'est 2 minutes par tour, je crois, à peu près. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, on va faire un tour par vue, comme ça va être bien. Ça va changer un petit peu. Mais c'est un peu con quand même qu'ils n'ont pas mis dans Gran Turismo un système de qualification quoi. Ça vous regardez dans les anciens Gran Turismo, c'était comme ça. Hein. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième Gran Turismo. Je crois qu'il y avait un système de qualification, je crois. De toute façon, dans cette série, on va essayer de prendre que des vieux véhicules. Après, je vais essayer de prendre tout ce qui est ancien révolution, mais les anciennes, quoi. Plus savoir que la voiture, elle roule pas vite. Hein. Je crois que 5 tours, ça peut être long quand même à regarder. Mais après quand j'ai commencé cette série, c'était pas vraiment une série, je savais que c'était une série qui allait pas beaucoup marcher au niveau vue, j'allais pas faire 100-200 vues quoi. Mais le principal c'est le plaisir de vous faire des vidéos quoi. En fait pour moi on va dire faire des vidéos c'est un plaisir, c'est pas vraiment pour gagner de l'argent. Oui pour gagner un peu d'argent parce que en ce moment je travaille pas donc du coup on va dire je touche quand même du Pôle emploi, hein. Vous voyez, j'ai quand même du chômage. Mais on va dire que pour l'instant, YouTube, ça m'aide grandement parce que bah, ça m'a rendu mes fins de mois. Quoi. Comme YouTube, c'est pareil. Là, j'ai gagné 30 euros, ce mois-ci, je suis content. Quoi. Et là, vous regardez, j'avais demandé 30 euros à YouTube. Et j'étais à 32 là. Et là, le début de mois a commencé hier et je suis déjà à 12 euros ou 13 euros, je crois. Donc je pense que la fin du mois, je peux être à 40, mais voire 50 euros. Quoi. Donc je serais content franchement. Ça va, je suis 5e, c'est bien. 5e au premier tour, quoi. Sur, je sais plus, on est combien? 20, je crois. Ah, mais là, j'ai pas oublié de changer de vue. J'avais dit que je changerais de vue à chaque fois. 2 minutes 31. Ah, oh, ouais, ça va être long. La course, du coup, elle va durer à plus de 10 minutes, quoi. On va être à peu près à 21-22 minutes par dans cette vidéo, quoi.
Bah, j'ai souvent des trucs comme ça hein, quand je publie des. C'est à chaque fois que moi, quand je fais ma photo de. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous voyez ma miniature, c'est tout le temps ma photo de Skype que je fais avec Skype dans le jeu là. Et j'utilise le mode photo du jeu pour pouvoir faire mes miniatures à chaque fois. Parce qu'on dit super bien la caisse, je trouve. Elle n'arrête pas trop dans les tournages. Dans les tournois, elle n'a pas trop de sous-virage, on va dire. Elle a même du mal un peu à tourner, même des fois. On peut éteindre les phares dans cette bagnole-là. On peut éteindre les phares là, oui. Oh, pas... oh, c'est bizarre, on croit que c'est éteint. Ah putain, faut que je me concentre là. Oh mec, calmos. C'est quoi qui me l'a comme caisse? C'est une Mazda, je crois. Mazda MX5, MX7. Oh. Ouais, Mazda MX7. Ah, une petite. Scanline devant, celle-là c'est celle que je prendrai pour la prochaine vidéo. Après je sais pas encore si je vais la faire aujourd'hui parce que j'ai encore des choses à faire là. J'ai encore quelques montages à faire donc je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Peut-être faire cet après-midi, je vais voir. De toute façon c'est des vidéos qui seront pas publiées cette semaine. Hein. Donc au pire je suis pas en retard dans mes vidéos, c'est plus j'ai des montages et des vidéos à publier. Donc pareil demain, faut pas que je me mette trop en retard dans mes. Pourquoi ça fait ça quand je veux. Faut pas que je me mette trop en retard dans mes vidéos. Parce que demain, comme je pars on part vers 17h, normalement on devrait partir à 17h, 17h30. Et faut pas que ma dernière vidéo finisse à 18h. Je vais pas me permettre de laisser le PC allumé tout le week-end quoi. Donc c'est pour ça quoi, il faut pas que. C'est sûr que demain il y a la vidéo de Objectif Quotidien, c'est sûr qu'elle y sera demain, parce que je vais la publier demain matin de bonne heure. Pas de bonne heure, mais je vais essayer de vous faire la vidéo de bonne heure et la publier quoi. Quitte à me lever de bonne heure, comme ma compagne, parce qu'elle va porter la petite à l'école demain, comme si ça. Demain elle travaille pas. Donc franchement elle est bien, elle a un boulot trop bien ma compagne, franchement. Elle a un boulot où elle travaille que 4 jours par semaine. Elle travaille en industrie électronique et elle a travaillé que 4 jours. C'est une petite entreprise, ils sont pas nombreux, ils sont peut-être 5-6 salariés. Et c'est trop bien quoi, dans son entreprise, elle travaille que 4 jours à la semaine quoi. Donc elle a son vendredi. À part, c'est bien, c'est que, par exemple, on va dire, je sais pas moi, exemple, la petite elle est malade lundi, elle est malade le lundi, la petite. Donc ma copine a fait merde. Alors, au lieu de perdre une journée, elle peut prendre sa journée. Et par exemple, avec son patron, elle s'arrange, elle rattrape ses heures les vendredis. Donc souvent le vendredi matin, quand elle a des heures à rattraper, elle les voit le vendredi, puis du coup, elle perd rien de salaire. Donc c'est ça qui est bien, franchement, c'est une entreprise assez, on va dire. Comment on appelle ça? Comment je pourrais dire ça? Assez libre au niveau des horaires, tout ça. Ils sont pas chiants, on va dire. Non, pour ça, j'ai une petite anecdote. Moi, quand je travaillais à Renault Cléon, alors avant, on avait les JCC, donc c'était les jours que quand il y avait les moins de boulot, on restait chez nous. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, demain, tu ne travailles pas, quoi. On avait ces jours-là. Et ça nous arrivait d'avoir des jours comme ça, quoi. Une fois, ça nous arrivait un jeudi matin. Nous, on était du matin, donc ça allait, quoi. Donc on avait été en week-end à partir de jeudi midi, quoi. Et t'as notre CU, donc le chef d'unité, parce que dans Renault, quand vous êtes sur une ligne de production, il y a dans la hiérarchie, il y a on a le P3, donc le P3 c'est celui qui s'occupe de la ligne, on va dire, quand il y a des petits problèmes. Après on a le CU, alors là lui c'est celui qui c'est le chef d'unité. Après on a le CA, donc après c'était chef de départ. CA c'est chef d'atelier. Et après on avait le C, le chef de département, qui s'occupe du département, quoi. Au-dessus du chef d'atelier, quoi. Donc voilà, donc. Je reviens à mes petits moutons.
Donc, en fait, un jeudi, notre CEU vient nous voir, il fait ouais, bon, du coup, bah, demain, on travaille pas, on va manquer de pièces, parce qu'il manquait des pièces. Je sais plus, soit il manquait des carters, souvent c'était à cause des carters cylindres qu'on travaillait pas, ou soit il y avait des pièces qui étaient en retard, quoi. Donc on pouvait pas travailler. Sur Renault, c'est quand même réputé, hein. Là, nous, c'est pareil, des fois, quand on avait des pièces qui manquaient, des fois, ça arrivait en hélicoptère directement, parce que les Renault Clion, ils ont directement un héliport, quoi. Donc c'est vraiment hallucinant, quoi. Et vu l'engrandeur quand même de l'usine, quoi. Donc voilà, donc je reviens à mon truc. Donc il nous dit, ouais, demain vous travaillez pas, tout. Après, bah, la phrase qui tue, ça t'intéresse de venir travailler samedi? Donc, non, non, je fais, non, moi ça m'intéresse pas, quoi. Il y a personne qui a voulu travailler le samedi, hein. Non, t'imagines, les mecs, tu travailles pas le vendredi, mais il faut que t'ailles travailler le samedi, quoi. Et encore, le vendredi, t'étais payé, hein. Tu restais chez toi, mais t'étais payé, quoi. Et après, ça, ils ont abandonné, ils ont plus voulu mettre de ces... JCC, en fait, bah, en fait, c'était la politique, c'était bah, tu venais travailler pour 50 moteurs, tu venais travailler pour 50 moteurs, quoi. Même si tu venais travailler pour rien foutre, bah, tu venais pour rien foutre, quoi. C'était vraiment bizarre, quoi. Donc c'est juste ce que je voulais vous parler, quoi. Bon, la vidéo va durer au moins 19 minutes, quoi. Ah, putain, merde. Je suis presque à 10 minutes et là, j'ai pas encore atteint le dernier tour, quoi. Merde, j'ai pas changé de vue, le con. Oh là là. J'ai pas géré sur ce coup-là. C'est vrai que cette vue-là, c'est vraiment la vue la plus immersive, moi, je trouve. Bah, le pire, c'est... Comment ils font les gens, ceux qui conduisent avec cette vue-là, quoi? On n'a pas l'impression de vitesse, franchement. Parce qu'on est vraiment bien comme caisse, hein. Franchement. Je suis à 10 secondes d'avance, putain. C'est un petit turbo, écoutez. On entend un petit sifflement. C'est le turbo qui doit s'enclencher. Alors je vais voir si à basse vitesse peut-être qu'on l'entend mieux. Je vous laisse écouter. C'est à chaque passage de rappeur, écoutez bien. Alors en fait, plus on va vite, plus on l'entend, quoi. C'est ça qui est bon, quoi. C'est à bas régime qu'on l'entend mieux. Après, vous allez peut-être pas l'entendre, parce que moi je l'entends parce que j'ai mon casque. On entend vraiment bien avec les casques. Il y a des sons qu'on n'entend pas vraiment. Quand vous jouez par exemple à la télé bah, direct sans casque, il y a des sons que vous n'allez pas entendre que si vous mettez un casque. Quoi. Voilà, course terminée, donc on a mis 12 minutes et quelques. On a gagné 445 000. Putain, mais c'est pas beaucoup. On a gagné 45 000, quoi. Bon, là, je peux refaire une petite vidéo, du coup. Non, peut-être pas. Bon, je sais pas. Je vais voir plus tard. Donc, voilà ce nouvel épisode éternel. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'était le bye. Portez-vous bien. Peace.